Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo avis, oui, une vidéo avis, ça fait 1 million d'années que j'en ai pas faite. Et bien là en fait, j'ai été motivé par les films dont je vais vous parler. Alors vous verrez, il y en a deux que j'ai vus, je crois que c'était au mois de septembre, hein, voilà, et on est le 16 novembre là. Et oui, aussi, il y a Donatello qui est enroulé dans un câble USB-C vers Lightning. Voilà, parce que je l'ai pris en photo parce que je voulais le vendre. Voilà, votre curiosité est satisfaite, c'est bon. C'est pareil pour ça, tu vois, je les ai mis en vente. Voilà, c'est bon, vous avez... Oui, Aquaman aussi, je le vends. Voilà, c'est bon les questions? Calmez-vous. Oui, alors, je suis super excité un petit peu parce que je viens juste de finir le montage de la vidéo. Je vais juste y rajouter ce petit passage-là, cette intro et cette outro que je vais filmer tout de suite. Vidéo avis, alors vous verrez que sur ces trois films, il y en a un que j'ai détesté, je lui chie dessus pendant 10 minutes. Et en fait, ce que j'attends de vous, c'est, si vous voulez bien, hein, bien sûr, c'est en commentaire me dire ce que vous aimez bien dans mes vidéos avis. Parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont quand même dit que ça leur manquait, alors que moi je trouvais que ce que je faisais c'était de la merde, et ça restera de la merde. Mais moi ça me fait délirer quand je fais ça sur un film que je défonce comme un malade. Encore une fois, jamais je ne me forcerai à faire une vidéo avis, ça vient avec l'envie, ou le film m'a vraiment dégoûté, j'ai envie de lui chier dessus, ou le film est une bombe, ou alors il m'a créé quelque chose et j'ai envie de vous en parler. Voilà, bah en tout cas je vous laisse découvrir les films dont je vous parle dans cette vidéo, c'est parti. Alors je viens juste de terminer Greyhound, et oui, une vidéo à vie, putain, ça fait 100 ans que j'en ai pas faite. Alors une vidéo complète à vie, j'en sais rien, mais en tout cas un avis à chaud après le film. Est-ce que je vais greffer ça à ma prochaine vidéo achat? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais parler de ce film, pourquoi? Ben parce que c'est un film, bon déjà t'as compris, il y a un sous-marin là, ici. C'est le genre de film qui me plaît énormément, un film sur la Seconde Guerre mondiale, donc un film de guerre. Un film sur la marine et en plus un film sur les où ça parle de sous-marins. Alors on n'est pas dans un sous-marin comparé à d'autres films, à la Das Boot ou Red October ou d'autres. Là en fait c'est plutôt l'histoire, pour ceux qui connaissent pas du tout, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis envoyaient des ravitaillements aux alliés, donc au Royaume-Uni hein, la plupart du temps. Du ravitaillement du coup, et en fait ces convois de ravitaillement, ce qu'on voit beaucoup dans Das Boot hein, puisque dans Das Boot les sous-mariniers, ben, c'est ça qu'ils attaquent à un moment donné dans le film, enfin un long moment donné, et bien en fait c'est ces convois là et donc Tom Hanks est le capitaine du destroyer en chef qui lead, donc qui dirige tous les autres destroyers, enfin je crois qu'ils sont 4 ou 5 je crois en tout, pour protéger le convoi. Mais évidemment, le convoi se fait attaquer par les U-boats allemands. Et donc, c'est un très bon film, un très bon film. La musique est très, très bien choisie. J'ai surtout relevé ça. La musique est très, très bien choisie pour te mettre dans l'atmosphère. Et alors, cette vidéo à vie, je la fais pourquoi? Ben parce que déjà, c'est un truc qui m'inspire. Et puis surtout, il y a ce côté... manque un truc. Il manque quelque chose, en fait. Ce film-là est très bien, j'ai mis 7 sur 10, mais ça aurait pu être un 8, voire un 9, s'il avait été plus long. Alors c'est marrant parce que ces derniers temps, c'est souvent, ah ouais, il y a des longueurs et tout. Là, pour le coup, il n'y a pas assez de longueurs. Ça me rappelle un petit peu Lucie, qui pour moi est un très bon film, et qui a été gâché parce qu'il y a un petit peu, il y a quelques scènes qui sont compliquées, mais il manque une demi-heure ou trois quarts d'heure au film pour vraiment creuser le sujet. Ben là, c'est la même chose. Sans rechigner, je te dis qu'il manque facilement une heure, voire 90 minutes, voire même plus si c'est bien fait, de film. C'est-à-dire que le film fait 94 minutes, 90 minutes, 1h30, quoi, à peu près 1h30 environ. Bah, il manque une bonne heure quoi, pour vraiment te mettre dans l'atmosphère, te filmer l'intérieur du destroyer, tu vois, avec l'équipage, pour voir comment ils vivent le truc, pour te mettre dans une tension. Parce qu'attends, dans Das Boot, ce qui est exceptionnel, c'est la tension que ont les sous-mariniers en se disant « on va se faire grenader par les destroyers ». Putain, ça aurait été génial d'avoir l'équivalent. L'avoir l'équivalent des marins dans les destroyers en flippette de se dire on va se faire torpider, ouais, je suis un mec comme ça, ouais. De se faire torpider par un U-boat allemand, tu vois. T'imagines l'équivalent, ce film aurait pu être l'équivalent de Das Boot. Après, pour faire mieux que Das Boot, c'est compliqué dans mon livre, mais bon voilà, ça aurait pu être vraiment pas mal de voir cet équivalent. Ça reste, attention, un très bon film. Évidemment, on critique
Je critique négativement ce qu'il aurait pu être et ce qui aurait pu être mieux, mais c'est vrai qu'il est un peu court, quoi. Putain, alors je sais pas parce que Dasbot fait 5 heures qu'il faut que celui-là fasse 5 heures aussi, pas du tout. Mais tu vois vraiment qu'il manque une bonne heure pour te mettre un petit peu, tu vois, là, pas forcément aller aussi profond que Dasbot, parce que vraiment Dasbot, c'est la lumière, au-dessus, il n'y a rien. Mais peut-être un peu plus de, pour histoire de discuter, de te présenter, j'allais dire discuter, de te présenter plus un peu les personnages, de te mettre plus dans, sans aller vraiment trop profond pour que ça devienne chiant et que ça devienne chiant, mais te mettre plus dans l'ambiance, voilà, te mettre, te dire putain, je suis dans le destroyer avec eux, quoi. C'est vraiment quelque chose de, voilà. On parle en gros, le film parle à peu près de 50 heures où le convoi a un soutien aérien pendant X temps des États-Unis jusqu'au milieu de l'océan, et évidemment il y a un gap de 50 heures, donc ça fait à peu près 3 jours, 2 jours, pardon, qui reste sans soutien aérien parce que, ben, à l'époque, les avions, ils n'avaient pas assez de kérosène, de gasoil pour aller. Pour faire tout le trajet, quoi, tu vois, aller-retour. Enfin, évidemment, les Alliés venaient d'Angleterre, les Américains venaient des États-Unis, enfin bref, t'as compris le délire. Et donc, c'est ce petit morceau-là de 50 heures où, ben là, ils sont là, qui sont le plus vulnérables, et c'est ce passage-là que le film raconte. Voilà, bah écoutez, c'était un bon film, et puis ça, c'était mon avis pour Greyhound, que j'ai vu, alors que j'ai vu en bootleg, hein, je me suis fait faire ça. Par quelqu'un que je connais, et donc très bonne qualité d'image, donc je suppute que sur Apple TV+, parce qu'il n'y a pas un cas où je m'abonne à toutes ces conneries de streaming, enfin je dis ça, mais à un moment donné, voilà, très bonne qualité visuelle, nickel. Et bien voilà, ben ça c'était mon avis pour Greyhound. Alors je vais juste terminer Victory, un film sur la Seconde Guerre mondiale, et oui, il m'a aussi motivé à faire une vidéo à vie. Parce que j'étais pas, comme je vous le savais, hein, j'en fais plus trop ces derniers temps, mais hier j'ai été motivé pour un film, et là je suis remotivé par un autre film, un film de guerre, enfin un film qui se passe pendant la guerre, donc moi je le catégorise dans les films de guerre, malgré tout. Alors, l'histoire c'est d'un camp de prisonniers, et dans ce camp de prisonniers il y a un ancien joueur célèbre de West Ham United. Pour ceux qui connaissent rien, c'est un club de foot en Angleterre. Et en fait, il se trouve qu'il y a un lieutenant allemand qui vient dans ce camp où il est, lui. Et en fait, lui aussi, c'est une ancienne gloire du football allemand. Et du coup, ça leur donne l'idée, enfin, ça lui donne l'idée d'organiser un match entre les prisonniers et une équipe d'officiers allemands. Et en fait, tout le film est sympathique. Je vais vous dire, hein, pourquoi je suis motivé pour faire cette vidéo à vie. Le film est sympathique, vraiment, sympathique. Quand tu entends ça, tu dis ouais, bon, c'est 5-6 sur 10, pas plus, tu vois. Et effectivement, j'allais mettre 6 sur 10, mais la fin, le dernier quart d'heure, oh bah là c'est bon. Et alors j'ai mis Casablanca à côté pour une bonne raison, parce que c'est la même chose, il s'est passé un truc dans le film, exactement la même chose que dans Casablanca, où ça me fait mettre un point de plus, et donc je vais mettre 7 sur 10 à ce film. C'est juste le côté, et là c'est mon petit côté chauvin, francophone, petit-fils de résistant qui parle. C'est la France. Voilà ce que c'est la France. Et pour une fois, c'est bien représenté dans un film qui est un film anglais, américain, italien, d'après ce que je viens de voir. Et franchement, il est vraiment pas mal, le film. Donc évidemment, hein, l'idée, c'est qu'ils sont dans un camp de prisonniers, et puis il y a tentative d'évasion, etc. Je ne vais pas en dire plus pour pas trop spoiler. Mais vraiment, le film est génial. Et donc bref, tout ça pour dire, la fin est géniale. Ce côté francophone, ce côté chauvin qui va ressortir de chez moi, là, je m'en excuse, mais putain, ça, c'est la France, ça, on est bien représenté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je me suis un petit peu perdu dans mes explications. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est ce côté, voilà, ce côté français, ça, c'est la France. Tu vois, la France qui s'unit et qui résiste contre l'envahisseur. Et ce petit passage-là où, à un moment donné, il y a une Marseillaise, c'est pour ça que je parlais de Casablanca, il y a une Marseillaise, à un moment donné du film, putain, je te jure, j'ai eu les yeux remplis de larmes, quoi, tu vois, vraiment, putain, voilà, j'adore ce film. Je vais pas mettre une note de malade, parce que, bon, faut rester quand même un minimum objectif, je vais mettre 7 sur 10, j'aurais dû mettre 6, mais je mets plus 1 rien que pour cette Marseillaise, qui est juste excellente. Et voilà, bon, le film est pas mal, je vous le recommande. Et voilà, le Blu-ray, pour parler vite fait qualité, parce que c'est vrai que je faisais ça à une époque, pour parler qualité, le Blu-ray est pas mal. Il est pas fou, mais il est très correct, voilà, pour le film que c'est, de 1981, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, 1981. Il est franchement très très bon, ce petit Blu-ray-là. En tout cas, un super film, et je vous dis, cette fin, elle m'a tué, quoi. Ça, c'est ça, la France. Alors, petite vidéo à vie. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je me suis dit, là, en fait, j'étais motivé, en fait. Pour ce film, je suis motivé, voilà.
J'ai jamais dit que j'arrêterai à jamais les vidéos à vie, j'ai dit que j'en ferai beaucoup moins, mais il faut que le film me motive, il faut qu'il y ait quelque chose qui me donne l'envie de parler du film, tu vois. Et alors là, ce petit film dont on n'a jamais entendu parler, Wildlife, avec le grand Jake Gyllenhaal et Carey Mulligan aussi, que j'aime beaucoup. Et puis quand tu vois la jaquette, tu vois toutes ces étoiles, tu dis, les mecs, ils ont tous donné 4 sur 5, là, il y a 5 étoiles sur 5, Beautifully Tragic, Carey Mulligan and Jake Gyllenhaal at Perfection, blablabla. Bla, bla. Et alors déjà, je commence à m'énerver sur ce film. Pourquoi? Parce que dès que je mets le disque dedans, je vais pour mettre les sous-titres, il y a zéro sous-titres. Alors moi, je voulais mettre les sous-titres en anglais, puisque de plus en plus, je me rends compte qu'en fait, à chaque fois, j'essaye, mais je mets les sous-titres à chaque fois, parce que j'ai tellement peur de rater un mot, que du coup, alors c'est en anglais, en version originale, sous-titré anglais, mais au moins, je suis sûr de ne pas rater les trucs. Puis en plus, grâce à ce magnifique lecteur que vous voyez pas, qui est là, du Panasonic, tu peux réduire la luminosité des sous-titres et surtout tu peux les descendre dans les barres noires quand il y en a ou les mettre plus bas quand ils les mettent quasiment au milieu de l'écran. Oh là là, quel bonheur de pouvoir faire ça. Bref, alors Wildlife, c'est de la merde. Oh putain, mais c'est nul! Mais comment est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais là je m'énerve, mais putain c'est mauvais! Mais putain! Ça me rend dingue. En gros, il y a trois acteurs principaux. Allez, trois et demi. Donc, t'as la mère, le père et le gamin qui jouent très bien aussi. Hein. L'acting, je remets pas en question. C'est pas un acting de malade. Hein. C'est pas du Harvey Keitel dans Bad Lieutenant. Mais mais ça va, quoi. C'est bon. C'est bon. Puis Jack Gyllenhaal, quoi. En même temps, le mec, il faut le faire pour qu'il soit mauvais, quoi. Même dans... dans quel film dans les Spider-Man, là, il joue je sais pas quoi, là. Et même là, il est bon. Alors, imagine, dans des films de merde, il arrive à être bon. Mais bon, bref. Comment vous expliquer cette merde? C'est un film qui dure 1h40, déjà. Je sais pas pourquoi je dis ça, comme si c'était vital et une information importante. Et pendant 1h40... En fait, si tu veux, très vite, je me suis un peu fait chier dans ce film. Je suis resté uniquement accroché à cette histoire. Pourquoi? Parce que le personnage de Ginette, là, de Carey Mulligan, c'est une vraie connasse. Et en fait, j'étais curieux de voir jusqu'où elle allait aller. Hein. Alors attention, c'est pas un thriller. Hein. Je sais même pas. C'est tragédie. Je sais pas comment on appelle ça. Moi, c'est pas une tragédie tragique, mais c'est bidon. Alors, je vais essayer de vous expliquer parce que tout à l'heure je suis dessus, mais vous savez même pas de quoi ça parle. Grosso modo, tu as donc ce couple qui a un enfant, donc le gamin, il a 14 ans. Et en fait, le père perd son job et il veut pas en retrouver un tout de suite parce que ce qu'on lui propose, ça lui plaît pas. Et puis au final, il fait un boulot parce qu'ils sont dans une région où il y a des feux de forêt. Mais t'as l'impression que les feux de forêt sont là, mais comme une saison en fait. C'est-à-dire que c'est 100% garanti qu'ils sont là à chaque fois. Mais bon, ça, c'est autre chose, on s'en fout. Et donc, au final, on lui propose un boulot. Enfin, il avait postulé pour et on l'accepte pour aller défendre les feux de forêt qu'il y a dans les montagnes à côté de chez eux. Et là, la femme débloque. Alors autant, à un moment donné, elle était un peu... Tu la sentais qu'elle soutenait son mari malgré le fait que le mec, tu sentais qu'il était... À un moment donné, le poste où on le vire, on le rappelle pour le reprendre parce qu'ils disent qu'ils ont fait une erreur, tout ça. Le mec, il veut pas et tout. Elle travaille pas puisqu'ils s'étaient mis d'accord de pas travailler. Alors, ça se passe dans les années, je sais pas combien, 40, 50, une connerie comme ça. Et au final, il le rappelle, le mec, il veut pas y aller. Donc, tu te dis, attends, elle est supportrice, supportive. Elle supporte, elle soutient son mari. Alors que là, t'as beaucoup de femmes qui diraient, mais qu'est-ce que tu branles? Il faut qu'on mange, va bosser. Hein. Ça veut dire quoi de turn down, je fais mon Vandame encore de dire non à un boulot alors qu'on a besoin de bouffer. Alors tu dis, putain, ça peut être intéressant, tu vois, si elle soutient son mari comme ça, ça change un petit peu, voir comment ça va évoluer, si lui, il va partir en couille, s'il va revenir, machin. Et puis non, quand il accepte ce job pour aller là-bas, là, elle vrille total. je suis un peu chaud, là. Elle vrille total, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi, mais tu peux risquer ta vie, machin et tout. Alors, tu peux comprendre. Tu peux comprendre qu'elle flippe parce que son mari va machin, mais alors après, elle part en couille totale, tu vois, dans la suite du truc. Tu sens que quand elle parle avec son gosse, ouais, mais ton père, il nous laisse tomber. Alors tu vois qu'à un moment donné, elle amène le gamin à l'école, ou enfin au lycée, enfin je sais plus quoi. Et à un moment donné, elle fait, à chaque fois, elle lance des petits pics contre le père, tu vois, une fois qu'il est parti, hein, le père.
En mode, ah oui, bah toi au moins tu nous abandonnes pas pour aller combattre des feux de forêt, des je sais pas quoi, machin. Tu sens qu'elle a la haine, tu vois, et elle balance des piques, et tu dis putain, c'est dégueulasse, cette espèce de connasse, tu balances pas ça au fils, à ton enfant, quoi. C'est son père, même si c'est un gros con, voilà, ça mérite pas, tu vois. Et puis bon, après, je vais m'arrêter, je vais pas vous spoiler pour si vous voulez découvrir cette grosse merde, pour vous dire ce qui se passe ensuite. Mais attention, je vais rentrer dans la partie spoiler pour ceux qui veulent. Qui s'en battent la race d'être spoilés ou qui ont déjà vu le film. À partir de là, normalement, je vais le mettre à l'écran, hein, au cas où j'oublie. C'est spoiler, hein, voilà. C'est spoiler, spoiler, spoiler. En fait, ce qui se passe, c'est que la nana, là, elle trompe le mari une fois quand il est parti. Parce qu'il est parti pendant... on a l'impression, ils ne le disent pas vraiment, mais c'est quelques semaines, tu vois. Donc c'est pas, il est pas parti 2 ans non plus, tu vois. Et ben elle trompe avec un mec que lui connaît, enfin qui connaît, mais comme ça, tu vois, un mec un peu plus riche. C'est pareil, elle amène son fils chez le mec. Non mais en détente, tu vois, elle amène son fils chez son amant qui n'est pas encore son amant parce qu'il s'est encore rien passé. Tu vois qu'au final elle est là, elle sait pas trop où elle est. Alors tu te dis bon ben c'est un drame, voilà, c'est drame, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est un drame. Elle sait pas trop où elle en est, elle est perdue, machin, et elle est chez le mec, elle commence à vouloir danser tout ça. Là elle se chauffe un peu, elle a bu un peu d'alcool et au moment elle dit bon allez, on y va, on part, elle se rend compte qu'en fait merde, elle est mariée et qu'il faut pas qu'elle déconne et elle part. Elle part et le mec lui donne une veste parce qu'elle est venue sans veste, cette conne. Il fait moins 60 dehors, mais bon, bref, on s'en fout. Oui, il fait moins 60, elle a froid le soir, mais il y a quand même des feux de forêt. Ben, c'est comme ça. Bref, on s'en fout, ça, c'est pas trop grave du tout, on s'en fout à la limite. Et elle est dans la bagnole, son fils va conduire, parce qu'elle est trop bourrée, elle a trop pris d'alcool. Et là, elle dit non, mais t'imagines si je rentre et que j'ai la veste d'un homme sur le dos, nanani. Donc elle dit attends, donne-moi une minute, je lui rends la veste. Elle lui rend la veste, mais tu sais quoi, au lieu de lui tendre la veste à la porte et de se barrer, bah évidemment elle rentre. Et là t'as compris. Là le gamin il y va, tout ça, machin, bref, il voit qu'elle est en train de rouler des pelles au mec, sa robe jaune elle ne l'a plus, elle est en dessous, donc tu te doutes bien qu'elle revient genre une demi-heure après avoir baisé avec le mec. La scène suivante, une ou deux scènes suivantes, bah, c'est lui qui vient chez elle et qui la baise chez elle. Je m'excuse d'être vulgaire, mais merde. Et voilà, et en fait, c'est le film c'est ça. C'est tout. C'est-à-dire que tu vois le film, le mec bosse, se fait virer, on lui propose un boulot, il veut pas, la mère elle est en rogne, il prend ce boulot, la mère elle est en rogne, non la mère est pas en rogne pardon, il lui propose ce boulot qu'il accepte, elle est en rogne, lui il part pour bosser parce qu'il faut gagner, ramener le pain à la maison, elle trompe le père devant son gamin. Le gamin s'en rend compte, machin bidule, là le boulot du job du père se termine, le père revient, coucou, déjà j'ai pas compris le début, parce que j'ai pas compris quand il revient, parce qu'à un moment donné il discute avec son fils et il comprend que sa femme le trompe, enfin moi c'est ce que j'avais cru comprendre, il dit ah c'est qui tout ça, enfin il discute avec la femme, pardon, excusez-moi, je recommence. Il discute avec la femme quand il revient le premier soir et là il lui dit moi aussi il faut que je te parle parce que lui il avait dit ah j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé un boulot stable machin bidule, elle dit ah moi aussi il faut que je te parle et là il comprend qu'il y a un autre homme, mais bon moi quand tu comprends ça dans ma tête j'ai compris qu'elle m'a trompé, bah en fait non, genre la scène d'après il se retrouve seul avec le fils, ils sont dans un bar, ils discutent et c'est en parlant avec le fils qu'il comprend qu'en fait la mère l'a trompé et qu'elle a en plus ramené le mec dans leur lit et tout. J'ai mais t'avais pas compris ça avant, espèce d'abruti, c'était une évidence, tu vois. Enfin bon, bref. Donc elle revient, le mec, il arrive devant la baraque, il fait le plein, non, il va à la station, il prend du gasoil, il balance le gasoil sur la maison du gars à l'entrée, il toque, le mec sort, il balance le feu, il se fout le feu à lui-même, c'est abruti. Le mec, il veut lui taper sur la gueule, tu vois qu'il est suivi par une gonzesse qui n'est pas la mère. Alors là, tu dis attends, what the fuck, qu'est-ce que c'est le délire, est-ce que en fait le mec il se tape toutes des jeunettes partout, alors bah, option A hein, très la plus probable, ou est-ce qu'en fait là je me suis même dit mais attends, mais en fait le gamin il a tout imaginé, elle l'a jamais trompé, et en fait c'est le gamin qui par sa réponse a fait que par ses réponses à son père a fait croire au père que la mère l'avait trompé, et il a peut-être tout imaginé, il va y avoir un twist de malade à la fin, mais non pas du tout, pas du tout. À un moment donné, le gamin, il rentre, le mec, il dit, ok, il va pas porter plainte, le gamin, tout le monde rentre à la maison, le père apprend un peu, le gamin s'enfuit, il va à la police parce qu'il pense que le père y est, au final, il rentre chez lui et les deux parents sont là à l'attendre, et le mec, il lui explique qu'en fait, l'autre, il va pas porter plainte, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il y avait eu un malentendu, blablabla, bla, bla, un malentendu. Ben, je sais pas, il a couché avec ta femme.
Donc oui, on peut dire que c'est un malentendu, oui. C'est un petit malentendu. Malentendu, le con de ton grand-père. Bref. Et après, l'histoire s'arrête là. Enfin, l'histoire, ça s'arrête. Et après, tu revois X temps plus tard. Et en fait, elle vit ailleurs. Elle revient pour passer le week-end. Le fils, qui lui, il avait trouvé un petit boulot de photographe pour prendre des photos de portraits, tout ça. Il se retrouve devant. Il veut prendre une photo où ils sont tous les trois. Il prend la photo. Le film, c'est fini. Il y a rien. Il y a rien dans ce... c'est nul. C'est bidon. C'est limite. J'avais trouvé. Comment il s'appelle ce film? Ça m'a fait penser un peu à ce film de merde avec. Comment elle s'appelle là? Cotillard, là. Les eaux, les rouilles d'os. De rouillé d'os, voilà. De rouillé d'os qui est une bouse infâme, as well. Aussi. Mais alors celui-là, c'est pire. Parce que pour le coup, dans De rouillé d'os, à la limite, tu peux te dire, oui, bon, mais c'est une fille qui vit mal son accident. Lui, il est totalement. Bon, il se retrouve. Bon, c'est bidon. Mais à la limite, tu trouves ce petit truc. C'est un tout petit quelque chose, mais j'arrive à trouver, tu vois, en voyant plus mauvais, t'arrives à trouver les qualités des films de merde des autres que t'as vu avant, tu vois. Donc tu dis, bon, pourquoi pas? Mais là, c'est bidon, il se passe zéro, s'il y a des longueurs. Le film fait 1h40, il y a des longueurs, frérot. Ouais, je dis frérot des fois comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est bidon! Alors ma note, évidemment, normalement c'est 1 sur 10, je mets 2. Uniquement parce que bon, l'acting à la limite non, mais c'est surtout le fait qu'au début, à un moment donné, au bout d'une demi-heure, j'ai dit bon, je vais arrêter ce film de merde, c'est nul. Le seule chose qui m'a un petit peu hypé, entre guillemets, hein, alors attention, hypé avec des guillemets, des pincettes, des parenthèses sur un nuage, tout ce que tu veux, c'est justement la connasse qui était de plus en plus désagréable. Je me suis dit putain, mais c'est vraiment une pute en fait, elle va aller jusqu'où, tu vois, et en fait, il y a que ça qui m'a fait tenir. Et puis bon, au bout d'un moment, j'étais à 1h, 1h15 de film, j'ai dit bon, ben, maintenant je finis, au moins je verrai, il reste 20 minutes. C'est de la merde. Alors, je vais les nommer. Pas tous, hein, mais Telegraph, Times, Guardian, Total Film, Empire, Financial Times, ils ont tous mis 4 sur 5. Et il y a même le Film Book qui a mis 5 sur 5. Je ne lis pas les magazines de films, mais si tel était le cas, j'arrêterais instantanément de tous les lire. C'est de la merde. Beautifully Tragic. Mais c'est pas Beautifully Tragic, c'est bidon. Carly Mulligan et Jake Gyllenhaal are perfection. Alors ça c'est vrai. Alors perfection, tu t'énerves. C'est vrai que les rôles sont bien joués, mais voilà quoi. Je veux dire, c'est nul. Enfin moi je sais que le plus important, mise en scène, acting, tout ça machin. Ok, acting j'arrive à voir, mise en scène je comprends pas encore trop le délire. Hein. Je suis pas un cinéaste hein, les gars. Hein. Je suis pas un cinéphile. Moi ce qui m'intéresse dans les films c'est les scénarios. Voilà les scénarios, l'ambiance et puis si ça m'intéresse ou si ça m'intéresse pas, si je suis accroché par quelque chose. Eh ben là y a rien. Voilà, je vous ai raconté le film, il n'y a rien, c'est de la merde. Voilà. Bon, sur ce, la qualité du Blu-ray, très bien, voilà, on s'en branle. Allez, surtout ne regardez pas cette merde, c'est nul à chier, malgré le fait qu'il y ait deux très bons acteurs dedans. Allez, bisous. Eh bien voilà, c'était mes avis pour ces trois films. Hein. Donc vous avez vu, hein, je vous les ai pas mis ici parce que bah, c'est vrai que j'ai oublié comment je faisais les vidéos à vis. C'est vrai qu'avant je mettais les jaquettes ici, mais vu que je filme plus coup pour coup, enfin bon bref, on s'en fout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez des films, ce que vous pensez de ce genre de vidéos, si vous voulez plus comme ça ou pas. Si je reçois plein de commentaires que ça me motive, à moi il n'y a pas de problème, je peux très bien me chauffer tout de suite à faire une vidéo à vis dès que j'ai envie, quoi, tu vois, dès que ça peut plus me booster, voilà. Voilà, ah ben, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo à vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire des critiques sur ce genre de vidéo, ce que vous pensez, voilà, vous voulez en voir d'autres, ou vous voulez pas en voir d'autres, enfin bref, voilà, dites-moi tout. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, tchou bisous!